nous content avec vous. Pas oublier sous faire connecter sur canal ça ou sous TV La Caille canal information hein. Et son plaisir pour nous porter eh bien toute première nouvelle qui fait tomber matin là sous dossier assassinat président républicain Jovenel Moïse. Eh bien nous porter pour 5 noms là et c'est 5 noms ça qui c'est véritable cerveau Zak assassinat ça qui fait sous ancien président républicain Jovenel Moïse qui nous va inviter tendez avec Pierre Espérance qui toujours a crasé pays avec Jean de eh bien information ça et nous va faut tendez eh bien comment et qui Jean Negio monter opération assassinat président République là nous porter tout le temps détail pour vous en dedans vidéo ça. Et puis il y a donc 4 base 5 secondes qui loge dans village de Dieu qui la police pété Bouda et donc Mano qui c'est deuxième chef gang village de Dieu ya. Et bien monsieur pourquoi elle est là manquer mourir et nous va faire entendre tout détail en dans vidéo ça arrêtez connecté là tourner bonne journée tout le monde bonne écoute. Si tu gagne 200 sinon quatre si tu gagne à peu près 200 jeunes garçons qui dans gang et bien les doublé les triplé et c'est ça qui a passé là avec phénomène criminel ça qui sous pouvoir je veux dire là jeunes garçons obligés à entrer dans toute vieille bagaille parce que yo et comme si yo pays a pas été loin si un président assassiné jusqu'à maintenant beaucoup capable de justice kounya là yo obligé à faire série de vieille bagaille bien que nous pas encourager mais n'empêche en autant de quelques secondes et citoyen ça qui a expliqué comment Mano manqué mourir mesdames messieurs après ça n'a poursuivre police manqué prend Mano m'kazou deux chats Mano qui dénon petite machine. OK. Coup de balle démarré, mais, Louko, monsieur, c'est au passé. Non, y'a diable en pile, oui. Mano, diable en pile. Mano, diable. Mano, village de Dieu, diable en pile. Sous une machine, Mano, de là-dedans. Ça, tu n'es pas soi. Regarde les photos à la main en pile. En pile, cartouche. Pour Mano, qui est sorti dans la machine, elle tombe dans la ravine. Et parce que les policiers, elle n'est pas mis pied à terre. Si on met pied à terre, n'est-ce pas manger Mano, oui. Mano, là, qui est collé dans la boîte chaîne. OK. Si les policiers mettent pied à terre, Mano, il a pris Mano. Mais pour que pas mettre pied à terre, mais, machine prend balle. Louko, machine n'a pas soi avec balle. Donc la police nationale d'Haïti, madame, monsieur, manqué, prend Mano de village de Dieu, c'est numéro 2. Donc, village de Dieu. Village de Dieu, ok. Donc après, Iso, c'est Mano. Et Mano, ouais. C'est ça, Mkazou, et il y a l'autre bagaille toujours, parce qu'il y a un pile monsieur, nous, sur les réseaux sociaux, qui a fait photo. Ouais. Et grand public, là, nous, pas quand nous avons un jeune homme qui était dans la base, et dans la base Grand Ravine, il était baillé tête M30. Oui. Nous, j'aime moi, monsieur. Tu vas mourir? Il était dans la team, je n'ai pas mourir. Monsieur, il y a le sous-team, chaise roulante. Ça veut dire que le pays d'Haïti, chaise roulante. Ça veut dire que dans le moment chaise roulante, ok. Yo, malmené M. Abal. Ou pas quelques jours, nous parlons de M. sur les réseaux sociaux, quelques jours, monsieur. Eh, mais. Monsieur, sous chaise roulante. Monsieur, Kokome. Handicapé, qu'on y a. Handicapé normal. Oui. Et ça fait que nous avons dit, jeune garçon, nous avons changé balle avec la police. Jeune garçon, nous avons dit, nous avons des âmes. Mais, en changeant de métier, monsieur, c'est Michel Zagumgabay. Nous connaissons que la vie bandit peut pas durer plus que 2 à 3 mois. Oui, oui. Et quelqu'un nous vient faire dans la vie bandit, nous avons bagaille. Lorsque bandit apprend territoire, prend territoire, il ne peut pas prendre jouet. Vous avez calcul, monsieur, vous faites le coup. Lorsque prend plusieurs territoires, vous avez contrôle, dans le périmètre que vous avez, quelle que soit l'intervention, avant la police arrive sur vous, périmètre vous. Après l'assassinat de Jovenel Moïse, premier rapport a sorti dans le mois d'août 2021 après la police judiciaire de CPJ de remettre le premier rapport. Parce qu'il y a un commissaire gouvernement, nous avons analysé le rapport ça et avec l'autre information que nous avons fait, nous avons fait un rapport. Et deuxième rapport, c'est 6 mois après l'assassinat qui sorti jeudi et passé, jour 6 janvier 2022, pour nous montrer que 6 mois après, la police judiciaire n'a pas continué à approfondir l'enquête là. Et parce que son rapport, un rapport passé à le remettre. Et pas d'instruction au niveau cabinet d'instruction. Et j'y là avec greffier, c'est à sceller la passe les mounes. Mounes qui ont un mandat contre eux, il y a demandé l'argent. Et mounes qui ont invité dans le cabinet d'instruction, c'est comme ils ont payé pour en pile là-dedans pour être capable de tendre. Et je ne dis pas tout, mais gagner là-dedans. Donc, dans ce sens-là, nous, ouais, avant l'assassinat de Jovenel, il y a une série d'institutions. Institution qui était connectée avec la police judiciaire, base de données institution ça c'est OAVCT, immigration, DGI avec ONI. Ils ont déconnecté avant l'assassinat, après l'assassinat, ils ont reconnecté jusqu'à aujourd'hui, ils ont reconnecté. Et nous avons tout et gagné 5 personnes qui
planifier, coordonner, exécuter crime là. Et alors coordonner pour exécuter crime là, c'est Joseph Badio, John Joel Joseph, Dimitri Ra et Civil Laguel avec et Dragon. Malheureusement, tout le monde connaît le 17 novembre 2021, Dragon mourit dans condition et jusqu'à présent nous pas nous pas connaît. Et monsieur yo dit il était fait Covid en dans prison hein? Et l'est arrivé l'hôpital, c'est même jour arrivé l'hôpital là, un petit temps après, il mourit côté que oxygène était baissé, il était plus bas passé 60 et il va mener l'hôpital à temps. Donc, c'est un élément clé dans le dossier. Et qui ça nous fait nous-mêmes RNDDH? 6 mois après, nous analyser, nous joindre directeur général, ancien directeur général de la police, Léon Charles, il a fait obstruction avec l'enquête là. Il a contrôlé l'enquête là. Et côté que il pas prend aucune disposition pour et il pas aucune démarche, aucune disposition pour la police judiciaire te reconnecter avec l'institution pour te faciliter l'enquête là. Et nous est tout, c'est sous leadership li après enquêteur de CPJ fin remettre premier rapport partiel li, et ben inspecteur général qui était là dans l'époque là le 1er octobre 2021 li commencé convoquer policiers qui étaient sous enquête là dans inspection générale, c'était pour intimider ou pour mettre en prison. Et tout l'autre jour là dans mois décembre les et juge a invité Léon Charles dans le cabinet d'inscription. Léon Charles allait avec 53 policiers et te gen 2-3 policiers administratifs. Après ça, tout l'autre c'est des policiers dans l'unité spécialisée. Il est débarqué avec 7 machines. Pour qui ça? Est-ce qu'il y a un bagaille qu'il gagne pour le cacher? Est-ce qu'il gagne pour intimider le juge? Et puis tout, gen John Joel Joseph, dans le mois juillet 2021, DCPJ t'a identifié. Il était non caille dans l'île la voix après le cité soleil après ça dans l'île la voix là le caché et c'est Léon Charles le DCPJ après mener et enquête une opération dans caille là pour prendre Michel Nassoué et Léon Charles informé Michel et il fait DCPJ à le fait et aller dans caille là dans la journée pour Assoué pour y pas joindre pour pas arrêter donc il t'a protégé. Et nous joignons, Léon Charles a parlé avec Badjo, il a parlé avec Vincent et l'autre interprète et qui est concerné Solage. Bon, c'est, il a parlé, il a communiqué. Il a parlé dans le téléphone. Oui, dans le téléphone. Après l'assassinat, entre Vincent avec Solage, il a parlé 12 fois. Et là, la police judiciaire, la police finit exécuter des Colombiens. Dans Mon Calvaire, Léo a arrêté l'autre Colombien avec Vincent Isola, Jo Meneo et Boa VCTA, tout près commissaire qui habite en ville là. Léon Charles rentré dans le bureau commissaire police là, il fait plus passer une heure avec Vincent Isola, il a parlé. Je ne sais pas qui a discuté, mais c'est au connaît. Mais si tu as une instruction qui t'a mené, eh bien, il t'a capable de dire pour qui ça. Malheureusement, pas d'instruction et pas d'enquête. Maintenant, ça qui fait nous réjouir au niveau RNDDH, c'est parce que jeudi a fait exactement 9 jours côté que la justice américaine s'est saisi dossier et yo mené Palacios aux États-Unis et yo tande et Palacios parlé. Palacios tellement parlé, yo il est palador. Il tellement parlé. Et ou gagne tout Rodolja qui c'est yon nan moun qui finançait crime nan. Monsieur, le 11 décembre 2021, li fait une interview avec New York Times. M'vle nou konnen interview New York Times la, et pas pendant Ja en République Dominicaine li fait. Il était fait en Haïti le 11 décembre. Et Ja, c'est nan commencement janvier à la semaine passée à l'aller en République Dominicaine, et puis yo arrêté. Il était une protection et autorité. Yo. Donc, la collaborer avec FBI. Donc, Jean nous a enquête à piétiner en Haïti, côté que Ariel, dans le mois d'octobre 2021, 4 mois après l'assassinat, l'y rencontré avec Badjo 2 fois dans la nuit et dans yon kay. Et Badjo, yon gen pour y arrêter Badjo. Yon gen pour y prendre John Joel Joseph.
si autorité ici en Haïti qui a protégé et monde qui impliqué dans crime là si pas été assassiné yo mais c'est ça pourquoi quitter pays là et alors John Joel Joseph quitter pays là mais Badio toujours en Haïti sous protection la primature et Ja lui-même il fait interview ça depuis le 11 décembre et nous ouais c'est un mois après interview yo vinn font article sur ça bon peut-être qu'ils te font arrangement avec New York Times pour te dire pour au ballon titan mais Ja pas de prendre prison en Haïti il te voulait collaborer avec et il te voulait collaborer sur dossier ça et ouais au prendre la République dominicaine l'a collaboré avec FBI nous dit dans RNDDH nous convaincu monde qui paye pour crime là et que au niveau et dans plus haut niveau et dans le gouvernement ça qui là yo pas voulu des CPJ al et chercher qu'on est qui est-ce qui paye pour crime là parce que FBI bail aux informations bail des CPJ informations sur transactions qui fait dans des banques il y a besoin et parrain crime là il y a besoin papa maman parrain marraine ça veut dire que moun qui paye pour crime là moi gen moun qui gen tendance parce que si gen moun pour citer c'est des CPJ qui pour bail yo par exemple ça nous même dans RNDDH nous li enquête des CPJ nous li rapport des CPJ nous li procès verbal audition J de fait et dans premier vague premier monde qui a été arrêté et c'est sur ça nous intervenir donc nous pas capable de citer monde et que nous pas d'information sur yo donc les par exemple Moun Abdou et Léon Charles pas parler avec Badio. Comment il va parler avec Badio? Bon, un journaliste et en a ici qui dit moi-même qui a expérience d'intérêt Léon Charles joue criminel pendant 7 fois il pas répondre. Mais c'est mensonge. Nega et le directeur général de la police, il a assassiné Jovenel, moi-même deux fois joue parler avec pendant tous les fois. Après ça, il roule, moi le cabré, moi pendant 7 9 jours, je ne pas jamais parler avec lui. Finalement, bon, mais ça, il me dit ça qui a passé. C'est qu'on va y n'a pas caché. Et puis après ça, il nous réunit. C'est normal. Mon cause tout est pas là avec ça, non tout. Bah oui, m'a pas là avec nous. Et alors, mon yo montre qui parle avec ça, non, pas semble avec un petit beau garçon passé mon et puis jeune. Donc, yo montre un monde qui était dans rencontre avec ça, non, même mais là ouais moi, un petit beau garçon que mon et puis jeune. Donc, c'est pour yon bailler l'autre monde. Ça pour yon faire, c'est pour yon prendre vraie photo moi. Pour vous montrer que on était capable avec ça non et pas bien ouais RNDDH n'a bataille pour société à chita son état de droit même Jean ouais n'a dénoncé tout crime qui était fait sur Jovenel Moïse Diego Charles Marie Antoinette Duclerc et Montfégué d'Orval 13 massacres nous documentés dans quartier défavorisé nous voulons tout justice pour Jovenel Moïse. C'est dérive que nous avons dénoncé sur Jovenel Moïse, mais nous n'avons jamais demandé pour être assassiné. Il est clair que l'équipe qui est sous pouvoir, ça là, il y a des choses qui sont cachées dans l'assassinat. Pour qui ça ne fait pas faciliter l'enquête là, n'a permettre que les CPJ reconnectent avec l'institution ça pour continuer l'enquête là. Pour qui ça, yo pas juge à l'ordre, yo même pas parce que juge à l'ordre, mais et pour juger pas bail des CPJ pour commission rogatoire. Pour qui ça, 4 mois après l'assassinat Jovenel Moïse, que Ariel a rencontré avec Badjo, deux rencontres, deux fois, là, la caille. Pour qui ça? Et bien, moi, je dis non, c'est New York Times. Et information sortie dans la vente, mounio, en dedans, mounio. En dedans, mounio. Donc, c'est comme ça. Parce que leur autorité, moi-même là, je suis sorti là, je suis machine, mal n'importe côté, mais leur autorité, on est autorité ici, on toujours pensé en affaire, il faut que mon avec. Eh bien, mon avec, il n'y a pas de. À pas Jovenel, Tenon Kai, il y a 23 policiers qui composaient de 3 unités dans la police, qui étaient là, ils étaient dans la caille là, ils n'ont pas de sécurité, et ils ont quitté, ils ont tué. Ah ben, c'est même bien tout. Ou capable de moun qui est avec ou qui là. Qui proche ou qui autorité Bokoto cap dénonce ou monsieur le premier ministre Ariel Henry
pour les ministres ici présents, autorités civiles, politiques, policières et judiciaires.